Un imperturbable. <laughs> tu sais que je vais le laisser, hein. hey, salut Julien, comment ça va? Lâche non, ton téléphone là, c'est parti. Mais j'ai une dépendance. Mais, ouais, t'as une dépendance à ton téléphone. J'ai une dépendance au jeu parce que je joue au jeu avec mon téléphone qui joue. Je le joue. Et Julien à François Pérus. Ouais, voilà. Fait que cheers. C'est yes. le, deuxi le deuxième épisode de ce soir. Puis euh, voilà. Fait que j'ai un petit feeling. <laughs> puis tout à l'heure, je t'ai proposé un sujet qui t'a fait réagir fortement. Fait que je vais le reposer. On va faire des couches. Ah, oh, et Julien a fait exactement la même réaction tout à l'heure, donc euh, je pense que ça vaut la peine. <laughs> la... Ce qui est chiant avec ce sujet-là, c'est que toi, t'es complètement libéré des couches. Pourquoi, mais là, tu m'amènes le sujet quand dans le fond... C'est juste pour te faire chier. Ouais. En fait, j'ai pris... Une une sens tu sens le rapport de force, là? Parce que moi, je suis dedans, en salle, <rire> hein. <rire> Je pense que c'est un petit rire arrogant. Hein. Non, mais... Euh, oh, oh. On va le mettre au ralenti. Il y a... Euh, y a... En fait, deux semaines, j'ai ouais. posté ma dernière brassée de couches non, lavables. As tu vu comment je l'ai pas commenté? Oui, je m'attendais à un commentaire <laughs> je mettais, ah ben non, il sont calisse. Fait que, mais mettons Pas qu vrai que moi, le féliciter, c'est cela. Je veux pas des félicitations, je n'ai rien à voir là-dedans. Je rien à voir dans le succès de cette patente-là. Non, du non, peu je te félicite, c'est un marathon de merde. Attends, non, non, on va. Oh. Quand, tu, quand tu. Mets, mets l'image, toutes les couches que tu as changées. C'est beaucoup. Mets-les, mais range à bout, bout à bout on fait trois fois le tour de la planète là. Ouais. Ce qui est le fun c'est que t'as pas scrappé ta planète parce ben, que c'est des couches lavables la pointe du. ça Mais donc on recommence au départ tu sais. Oui. Quand le bébé, naît, ça, ça va t'arriver bientôt là, avec, euh, oh, le, ouais. Le, ouais, ouais, avec le méconium et tout. Oui, L'espèce oui, 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 le de, de, de caca-collant. Oui, oui, oui. Nous autres, on, on y va avec les, les couches jetables. Là. Tu y vas avec les couches jetables au début. Attends un peu, on s'adresse à qui S'adresse-tu à ben, je pense qu'on s'adresse qu que... qu au monde qui nous écoute. Nos, bien, maintenant, pas loin de 500 auditeurs hebdomadaires. C'est C'est le Mais... fun Mais... qui a tu, re, tu as le coup au montage. <laughs> euh, donc. Ah, tu vois, c'est une règle que je mais savais pas, pas plus de retour au micro non plus de retour au micro non mais vrai. non mais pas de farce tu commences au début avec des couches jetables pour la simple et bonne raison que à chaque fois qu'il pisse il chie quasiment tu sais ça ouais. chie autour de bras la petite moutarde tout, tout, tout. ça peut sortir c'est euh, puis... grand aussi une couche lavable au début c'est comme trop grand là ouais, tu il y en a plein de plein de grandeurs là, nous on sont ajustables il faut faisait, techniquement, mais tu sais, avec le, le nombril qui n'est pas décollé, puis ouais. le méconium qui, est lui, contrairement, est très, très collé, faudrait ouais, que ouais, tu le ouais. frottes pas mal pour qu'il décolle. Ah oh, non, non, non. Moi, pour ouais. vrai, les 3-4... Le premier mois, mettons, on y, on y va. Euh... Ouais, c'est ça, c'est pas juste parce que le méconium, là, c'est deux, trois chances, après ça, c'est fini. Ouais. Mais toi, tu. Jusqu'au. Ouais, ouais, un, petit... ouais. Attends un, un petit peu plus. Là, on passe à travers du premier sac de couche table. Tu sais, qui vient avec la... le petit world pour le nombril, là. Mais tu sais sur, sur mettons la planète on s'entend-tu que ton mois de couche jetable c'est rien là, comparé de 0 3 ans mettons ouais parce que tu sais ça super. se peut qui chie dans leur culotte même quand ils ont 3 ans ouais c'est le cas ici de Bibi ouais <rire> <rire> fait que euh, au début on, on y va on y va jetable mm. mais après ça là tu sais il y a plein de débats un peu partout couche lavable particulièrement ça, 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 on dirait que pour les papas ça c'est de quelque chose de bien bien tough, là mais tu sais Bon, vrai, après, on s'en calisse, là. C'est pas, pas, pas la fin du monde. Là. Ben, en fait, en fait, c'est parce qu'il y a, y a une crainte qui est là de jouer dans la merde. Ok, mais ben on, va, on va crever l'abcès <laughs> en partant, ok? On est-tu tous d'accord que anyway, tu vas jouer on dans, joue la marde, dans la merde, <laughs> Dans toutes les façons possibles et imaginables. Soit que la couche va déborder, il va en avoir plein le dos, jusqu'au milieu du dos dans un pyjama un peu pogné que tu vas être. À jouer dedans. Mais une couche jetable à la base, moi je trouve que c'est moins étanche qu'une couche lavable. Ah, oh, mais je, 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 je mettrais un petit bémol à ça. C'est moins étanche à l'urine, mais c'est plus étanche au caca. La couche jetable est plus étanche au caca. Non, l'inverse. Euh, la, la couche lavable est plus étanche au caca. Ben, la, ça, couche, je te dis. Ben, la couche je sais lavable pas si est... est plus étanche au caca, puis la couche lavable est plus étanche. En fait, si on reformule, ouais. là, moi je trouve que la couche lavable est plus efficace. Je pense que oui. Oui, tout à fait. Je pense que oui. Oui, elle absorbe mieux, puis ça ça ça, mmh. mmh. ça 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 spray moins dans le bas du dos, c'est parce que c'est un élastique aussi qui la retient puis tout, puis ça remonte moins dans le bas du dos. Mmh. L'autre affaire aussi, c'est que ça vient avec un espèce de petit le linge, le linge, un lange. Petit papier qui ressemble à un genre de bande, voilà. Mmh. Puis ça, ça récupère la majorité de la merde que tu fais juste comme jeter délicatement dans une toilette cette patente là. Exactement. Ça fait la job pas ça mal. Ça fait vraiment la job. Il y a des fois qu'il y en a, ses côtés. Ce qui est plus. Ce qui est plus crisp, perso... moi je trouve, oh, personnellement. C'est avec un effet de voix. Là. Ce oui, est... ce qui est plus... C'est quand, ouais. tu sais, mettons, des pleurs. Tu sais, des motons qui se ramassent. Genre, des bleuets, c'est de la merde à ramasser. Anyway, dans n'importe quelle ouais. couche, là. Ouais. Je veux dire, tu sais, ça colle, ça, ça, ça fait des petits motons. On dirait de la gomme effacée, tu sais. Ouais. Mais. J'aimerais bien pas qu'on parle de ça. On parle de caca, Je on me suis est... comme élevé au-dessus Skatophil... de mon corps, j'ai fait « On est-tu en train Skatophile, de Scatophile en puissance. <laughs> ça ressemble à une toune de le machin. Mais non, c'est ça. Fait que... mais, mais ça, quand il y a des gros motons, je pense que ça dépend le un peu de la laveuse. C'est les motons le plus bon. Je sais pas de quoi tu Moment parles. Moment de silence. <laughs> um, ça dépend de ta laveuse? Ça, ça doit ouais. dépendre de ta laveuse. Toi, je sais que tout passe là-dedans. Moi, j'ai une genre de grosse laveuse, là, duty, là, qui, qui est pas frontale. Puis honnêtement, il restait des motons dans le cuve. Ça que, tu sais. Fait que, il y a des fois qu'il faut ouais, qu'on. C'est comme les un pots peu, de raisin puis, ou ouais, de les pots de Ouais, les pots de raisin, ouais. bleuet, tu sais, là, Exactement. sont propres. C'est comme une peau de raisin qui a passé. Oh oui, parce qu'écoute, là, elle est tellement clean, là. Euh... Je pense que je l'ai mangée. Ouais, tu pourrais faire un bricolage avec ça. Tu <laughs> 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 serait pas pire. Mais là, là on est à, on on vite. Que ce qu'on se dit, c'est qu'après ça, on tombe aux couches lavables. Ça fait la job, ça va mieux, puis la vie est belle. Puis êtes-vous des puristes de la couche lavable? Vous autres, c'est lavable all the way. Nous, on, on, on jazz, On s'en va chez des amis pour une soirée. On va se traîner deux, trois jetables parce que ça va être plus facile, mettons. Puis tu sais, on, on va arriver en lavable, en ramener puis des trucs comme ça, mais on a tout le temps des petites jetables dans notre poche arrière pour des moments de... Oui, tout à fait. Ben, moi, je, 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 sais pas. Ça dépend des fois. Il y a des fois que je me rappelle qu'on avait notre petit sac en plastique puis qu'on switchait la couche puis qu'on, ouais. il hey, était même en lavable là-bas. C'est parce qu'il est cool aussi, c'est qu'ils sont cute dans leur grosse couche de lavable. Des ils sont ils en, en pâte. Ils sont souvent belles. Ouais, sont, ils ont des... comme des designs fancy, branchés, cool, dynamiques dans le vent. Là. Non, c'est ça, tu sais, genre l'abeille, la, mettons, ouais, le, ouais. la couche militaire ou whatever, ouais. tu as toutes sortes de modèles. Ouais. Je pense aussi qu'il y a des qualités. Là, moi aussi, c'était des couches ajustables, puis elles ne pas si cher que ça. Mm -hmm. Je ne sais pas c'est quoi la sorte, mais euh, j'essaierai de le mettre sur, euh, sur Facebook. Là, <laughs> euh. ben, en fait, nous... Ma si on je... a essayé vraiment plein de sortes, puis euh, là, on, on, a, on a nos couches et tout et tout. Ouais, ouais, si, euh, ben en fait, petit conseil pour ceux qui sont euh, à Montréal, je sais pas si ça, ça existe en région, il y a, moi aussi je vais le mettre en, en lien, là, mais. En fait, je vais la texter pendant que tu parles. Ok, cool, on y va avec la technologie. Il y a euh, certains endroits où ils vendent des couches euh, où tu peux, pour 25$, essayer 25 couches de types différents. Puis, euh, je me rappelle, ma conjointe au, à la première avait essayé 25 types de couches, puis elle avait sélectionné ceux qui nous convenaient le mieux, parce que nous, ça fitait, nice. C'était pas, euh, pas trop complexe. Ceux qu'on qu avait à sélectionner, ils absorbent bien, puis tout, puis tout, puis tout. c'était facile, puis c'est sûr qu'on a choisi, fait qu'on a acheté d'autres après de, 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 de cette marque-là, puis c'était cool. T'sais. Ouais, c'est une bonne stratégie. L'autre affaire aussi, c'est qu'il y a bien des villes qui subventionnent. Ouais, ouais. Ça, je pense que c'est important de le dire. Euh, parce que ben ça sauve la planète, même. Je sais pas, tu sais, la fameuse poubelle à couche, là, que quand tu es, es rendu tu mets toutes tes jetables là-dedans puis ça fait un espèce de saucisson bleu oui, de couche de oui, marbre. Oui. puis là tu drops ça man dans ta poubelle pis ça fait poteau dans le fond moi là... je peux pas me sentir pas ne pas me sentir un petit peu coupable. Fait que là, c'est toi en ce moment, le bobo qui reste sur le ouais, plateau, ouais, là, ouais. que je sors de mon personnage puis je te laisse prendre ce caractère-là en ce moment. Mais effectivement, là, t'as comme une couche qui est faite en plastique puis en matière absorbante de la mort qui tue, qui est dans un sac en plastique, qui est dans ta poubelle, dans un sac en plastique que t'envoies à la décharge. Ouais. Puis tout ça, ça va être tellement bien enterré dans un désert quelconque. Puis, t'as-tu déjà explosé une couche, man? Moi, un, ouais. un de mes gars, il en a pitché une à un moment donné. Là, puis, ça, Elle a comme éclaté. Oh. Puis, c'est comme plein petites de granules. petites granules ouais. de gelu. Je me demande si ça se décompose à un moment donné, cette affaire-là, je sais pas. Mais c'est fou. Imagine, imagine! Je peux pas Tu sais, c'est parce que là, je vais le dire, là, je vais m'affirmer. Oh, mais... tu prends position. Oui, là. je prends position. Pam pam pam. Mais tu sais. Il n'y a aucune raison de ne pas aller voir la lavable, à mon sens, à moi. Oh, c'est un statement fort. Non, là, pour, là. Pour tu, vrai, tu vas choquer. Puis, j'ai fait, tu sais au début, j'ai réagi en disant si, c'est vrai que des fois, il y a des mottons, puis des fois, faut que tu laves un petit peu plus. Puis ouais. tu vas te rendre compte que le soleil, c'est ton ami, parce que quand tu as mis ça encore corde à linge, c'est plus efficace. Puis ouais. des fois, il reste une espèce d'odeur de couche d'humidité pareil. Puis tu il y a tous ces petits inconvénients-là, mais ça, ça. ça c'est rien à comparer de la valeur suprême. Tu sais, la valeur suprême, c'est l'écologie, puis elle supplante toutes les autres. Ben, puis Tu, tu puis... peux juste pas aller vers des couches levables, euh, les couches jetables, c'est-à-dire en 2018, à mon avis, à moi. OK, c'est un, un statement fort. Quand même. Oui, c'est quand même. Fait que là, euh, by the way, tu viens de juger comme le trois-quarts de nos auditeurs, mais c'est pas grave, on, <laughs> on, on a appris ça. Euh, j't, j't, honnêtement, je suis assez d'accord avec toi. Moi, le t'amener le, le volet subvention là, que les... Non, mais je, je ne juge pas dans le sens où, tu sais, je ne vais pas Tant te Tant pour ailleurs, toi, mon ami, si tu <laughs> utilises... Ça ne fait pas des... de toi une mauvaise personne, tu sais, puis je te brûlerai pas avec des couches jetables, de mais il hein? y, a, y a quand même quelque chose de meilleur c'est l'option de la lavande. Hein? Puis si tu es dédaigneux, ben tu sais, si tu vomis à chaque fois que tu changes une couche jetable, bien OK, reste au lavant mais sinon... Je vois pas pourquoi tu serais pas pour là. Mais pour vrai, si tu vaux au mieux à chaque fois que tu le changes, ça va être pareil. Puis là, peut-être que j'amène le débat sur autre chose. Les pères qui changent pas les couches, moi, c'est là-dessus que je vais faire mon statement. Come on, man. Sérieux, change les couches. Je t'avoue qu'au début, je vais une autre confidence mais je t'avoue qu'au début j'avais tellement peur de jouer dans le caca là, avec les couches lavables que j'ai dit à ma blonde ça ça devient ton département ah ouais parce qu'elle voulait laisser j'ai complètement redonné la responsabilité bon, vrai sachant ouais puis j'étais méchant hein? ouais. mais sachant très bien parce que tu sais très bien que c'était un peu un jeu là ma blonde si elle avait pouvoir, vu, là. ouais mais tu sais man tu sais ma blonde m'aurait dit hey buddy, change les t'sais, on s'entend que c'était pas c'était pas méchant, mm -hmm. mais il y avait quand même une position qui était, je l'ai comme pas tout y donné. tu sais, je l'ai comme pas y dire ah ouais, je suis 100% willing, c'était comme ma manière de revendiquer, un peu comme ceux qui s'attachent tout nu après les arbres, tu okay. un peu ça t'étais dans le greenpeace moi j'étais dans le ça. désespoir total, okay. okay. puis finalement ben, reste quand même que dans le coup pour toutes sortes d'autres raisons ma, ma blonde change je pense quand même plus de couches que moi ben ne serait-ce que parce qu'il est en congé de maternité à la maison puis toi t'es là juste le soir puis le matin. Mais il y a comme une tangente qui s'est prise à Louis J'en changeais au premier, j'en changeais beaucoup. À un moment donné, ça a comme fait un, un, 4, euh, un genre 60-40. Ah. Puis là, je pense que suis en bas de 60. Ben, je suis assurément en bas du 60-40. Ben, ouais. Mais bon. Ben, c'est sûr que après ça, dès qu'on arrive à numéro On est décousu ce soir, mais c'est ouais. pas grave. Dès qu'on arrive à numéro 2, numéro 3, etc., forcément le rôle du père, je crois. Devient plus de s'occuper des plus grands pendant que maman est avec le plus petit. Tu sais, il y a quand même, il y a quand même de ça aussi, là. Fait que... Tu es plus présent avec les grands, tu joues activement. Tu viens, hey, on va aller jouer dehors, on va faire, on va jouer au soccer, on va faire du vélo, on va faire de quoi, tu sais, Non, non, je, je, je suis sur mon téléphone. OK, tu es sur ton téléphone. <laughs> ben c'est bien. Euh, c'est euh, je... des Bom Genius que ouais, vous avez Ouais, c'est des bébés de luxe. Ah, bébés de luxe. OK, ben bravo à bébés de luxe. Puis tu vois là, on a arrêté Nous, c'est des oh my Mikey ou des Bom Genius. Ah, OK, c'est c'est celles que tu recommandes Ouais, ben pff, celles nice. qu'on a utilisé. Mais les bébés hein. de luxe, on les a pas trouvé chers. Je vais texter combien cash. Puis, euh, on va voir la réponse tout à l'heure. Mais, euh, là, c'est bon, même assez longtemps, là. Ouais, là, ouais. là, mon gars, il est dans genre le 95e percentile, il y a trois ans, puis ça doit faire deux, trois mois qu'on qu a très, arrêté, ouais. parce que là, tu sais, c'est parce qu'il y, y a la trace dans l'aine, là. À un moment donné, <laughs> on, on... Fait que, là, on est retourné au jetable, malheureusement, ouais. parce que Ils ça font fait plus, de... juste plus. Et tu sais, mettons, moi, je pense qu'on peut, si on parle toujours de, de, de lavable, on peut considérer peut-être un budget de. 20 entre 20 et 30 la couche mettons. Ouais. Dans ce -là, parce là Ça t'apprend autour de quoi 20-25 mettons. Ouais mettons. C'est quand même un bon budget. C'est comme un 400 ouais. mettons. Prévoir un 400 mais en même temps des couches là, c'est 30 une boîte. Là. Ça dure combien de temps une de boîte Une semaine top probablement. Là. Ben ça dépend de l'âge aussi. Au ouais. début, bout en en salle, ouais. tu sais, quand ils ont deux ans mettons, sûrement que ça toffe un petit peu plus longtemps, mais quand même, là, coût de 30$. Là. Ah non, c'est clair qu'au niveau économique. économique. moi, c'est Il n'y a, ça y y a même pas de zone grise, là. C'est ouais. vraiment plus économique. Fait que déjà, là, tu mets du cash dans ton portefeuille et en plus, tu sauves la planète. Puis peut-être que dans ta ville, ils te subventionnent en plus. En plus. Puis après ça, tu peux les vendre pas cher. Ouais. Fait que, même la personne qui ne fait pas un gros salaire pour aller s'en chercher, bon. T'es un peu dégueulasse parce que l'autre a chié dedans. <laughs> Mais ça se, lave, ça se lave bien. Mais ça se lave bien, puis c'est aseptisé. Un... C'est juste qu'ils sont peut-être pas blanches comme tes dents, mettons, après un traitement White Strips. J'ai un ex-collègue qui, euh, qui dit une Maxime que sa maman euh, utilisait souvent, pis je, trouve, je trouve ça bien, c'est « On est trop pauvre pour acheter du stock de mauvaise qualité. » Tu sais, quand, quand t'as pas <laughs> beaucoup d'argent, t'as pas le choix d'acheter quelque chose qui va te sais, Tu ouais. peux pas acheter du cheap, cheap, cheap qui va te péter dans les mains. Fait achète-toi des bonnes couches lavables, puis... Tu vas économiser sur le long terme, tu sais, tu peux pas. Non, c'est ça. c'est pas toujours la bonne solution d'acheter, mettons, pas de gamme. Exact, t'sais... parce que ça va revenir vite. tu sais, on parlait de minimalisme et tout ça. Là, on s'entend-tu que des couches, là, au niveau de l'utilité et de l'efficience, là? ouais, ouais, ouais ça, il va en passer. Tu en, en, en fait prends envie, là? L'autre volet, après ça, c'est comme l'entretien de cette patente-là. Je l'as abordé brièvement à travers ta laveuse versus la mienne, etc. Mm -hmm. Mettons, toi, là, que... c'est toi qui s'occupait du lavage des couches moyen okay, un moi, moyen moi c'était ma job tout ce ah, qui ouais. est lavage dans la maison c'est ma job mais c'est bon de je, je, je te coupe hein? mais de voir je, je pense qu'il faut faire l'anatomie de la couche l'anatomie de, sais, la, pour couche? Le de ouais, la couche c'est pour le néophytes de la couche c'est quoi là on a parlé de la couche ouais. lavable fait tu as, as comme ce qui est beau là c'est cute il y a des motifs nanana. souvent dans une espèce de, de, de tissu ben imperméable, là, style plastique, polyester ou je sais pas trop là, à l'extérieur. Ouais. Ils font souvent des beaux imprimés dessus d'abeilles, de camo, de, sûr, de tu oh peux whatever. Peut-être l'acheter en cover de toile de parachute, mais elle va te coûter cher en salle. Ouais. tu as aussi le petit bounce là, que tu mets comme en protection qui ramasse le gros du solide. Mais à travers ouais. ça, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un insert. Ouais, qui est en coton et C'est un genre truc de 400. grosse serviette sanitaire en coton. Vous, est-ce qu'il était piné dedans ou fallait l'insérer Il faut que tu l'insères okay. dedans. Nous, ça, que... je faisais ça beaucoup. Par exemple, je je ai, ai... Okay. À, à la sortie parce que t'es préparé là. Ouais, c'est ça. Parce que ce qui arrive, c'est que dans le fond, t'enlèves ça, ça, ça a récolté la, ouais. la majorité du pipi. Ouais. Tu drops ça, ben, avec tes couches. Après ça, ben, ça, tu peux les étendre au soleil, whatever, puis ça a été fait chasser. Chasser. Puis puis après ça, ben, c'est ça. Faut juste que tu montes ta couche, là. Fait que ça te prend un petit 15-20 minutes en écoutant ton émission favorite. Nous, les bomb Genius sont comme ça, mais les Oh My Key, c'était juste des pins, tu sais, qui. Des espèces de push pins, là. Des. Ah, ouais, pour. snaps. Pis ils sont dessus, ben, 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 fait que ils sont dedans, dessus, ils sont son... pas dedans. Exact. Ça change la game parce qu'ils peuvent rester dessus. T'es pas obligé des décalisés, tu ouais. Ils restent dessus comme juste pliés. Non, c'est nice. Puis les rentrées, ça prend une certaine technique C'est un peu ouais, comme. Pas euh, faire un mouton au un milieu du du rent... de ton gars, mettons. Ouais, c'est un peu comme rentrer ta, ta couette dans ta housse mais ouais, version miniature ouais. ouais, c'est ça. C'est pas mal ça l'anatomie de la couche. Puis là, si on parle de lavage, nous chez nous, c'est ça. C'était pas mal moi qui s'en occupais Particulièrement pour numéro 3, mettons comment ça marchait, le, le lavage de la patente. C'était. Euh, ben, nous, c'est une laveuse à chargement frontal. C'est le fun que je écrit. Ben oui, ma laveuse, c'est masculin à fond, c'est viril à l'os. On c'est se faire greffer On okay. est rendu là. Ok, cool. On est rendu là. Euh, on peut faire des blaguettes quand même. On peut faire des blaguettes. Le, le ton est léger ce soir. Um, Bref, nous, c'est euh, un lavage, pas à super heavy duty, là, mais comme le lavage normal, plus-plus, avec euh, un spin pour que ça sèche beaucoup. Ouais. On met quand même une chaudière d'eau de plus. C'est-à-dire une chaudière de savon. <laughs> non, non, on met très peu de savon, pour vrai, c'est important. Ouais. Euh, on met une chaudière d'eau, on fait un lavage à l'eau chaude. Après ça, on fait un lavage à l'eau froide. Dans le premier lavage, on met pas de savon, juste dans le deuxième. Ça a l'air compliqué, hein? Euh, dit-même. Ça va, ben, ça va. Donc, deuxième lavage à l'eau. Euh, premier lavage à l'eau chaude, deuxième lavage à l'eau froide avec un tout petit peu de savon. Vraiment, vraiment un petit peu. Là, on parle d'une cuillère à soupe de savon parce que c'est beaucoup l'eau chaude là, qui va tuer puis qui va enlever tout le stock de toute façon. Euh, on fait deux fois des extra spins puis on les étend pis quand tu peux l'étendre dehors au soleil, man, c'est magique, là, ça... Mais extra spin, c'est parce que le, le tampon, il absorbe l'eau, là, par définition. Exact, fait exact. que si tu spins deux fois, tu t'économises un exact. petit peu de ton énergie de sécheur. Mais nous, ouais, nous, nous aussi, c'est la même affaire. Au début, je pense, ma blonde lave juste, ben, tu c'était que je le fasse aussi quand même, là, mais je pense que Carrément pas de savon, juste un ouais. cycle d'eau. Puis après ça on lavait. Exact. Nous c'est exactement ça. Un chaude, un froide, puis pas à la sécheuse parce ben, que ça peut abîmer les élastiques. Mm -hmm. Mais en même temps quand t'es mis à la sécheuse, il absorbe mieux après. Fait que là c'est comme faut ben, que tu, tu peux gauge la Tu mettre à la médium température. j'aimerais pas qu'on parle de ça. On défait des stéréotypes à soir. Ouais. Ben en fait nous mettons on le mettait à la sécheuse une fois sur cinq. T'sais, il séchait sous le rack à linge quatre fois puis une je fois dans sécheuse je me rappelle sécheurs, pas maintenant. dans sécheuse ou des fois on met les inserts dans sécheuse ouais, on met exact. les couches tu sais, c'est ça puis là l'autre patente elle la l'été honnêtement pour les couches lavables c'est de de ouais hein. tu ça au soleil dehors oh, c'est malade là ça ouais. sèche en trois minutes et demie puis en plus ça blanchit puis le soleil fait toute tout. toute la, la job job, pour toi. Les odeurs, ça enlève tout. c'est magique mais en fait même mais là, il y a, y a une odeur il y a pas une odeur c'est pas une odeur de merde mais il reste quand même une odeur particulière de couches lavables t'as tu senti ça toi nous, c'est dans le bac là, dans lequel on met les, 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 les couches sales, que ça sentait fort l'ammoniaque. En fait, c'est l'urine. C'est ouais. l'odeur d'urine. Mais ça, même dans un bac à couches jetable, ça sent ça. Là, à moins que justement, tu aies fait du petit bout de soucis machin, mm -hmm. mais sinon, euh, ça sent ça. Euh, mais sinon, ouais, non, ça sentait pas, ça sentait pas grand-chose. Puis euh, ben, c'est ça. Le lavage finit par, on l'étend, on les replace. Tant qu'il y a des inserts, t'es es. T es, t es, t es Prépositionne pour pouvoir euh, les, 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 les utiliser euh, quand bon nous le semble. Euh, fait que, honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Là. Ça fait peur là, parce que ça a l'air lavable. On s'imagine le truc des années 50 là, avec les épingles à couche qu'il va falloir que tu penses ça, ça, ah, ouais. ça a l'air très archaïque. sérieusement, c'est vraiment Ça leur compliqué. fait un de gros cul, par exemple, ouais. Quand ils sont petits, c'est assez spécial. Là. Mais euh, en même temps, à un moment donné, c'est. Ils sont vraiment beaux avec ça. Ouais. Ils, ont, ils, ont, ils ont réussi ouais. à revamper la couche euh, comme ouais. du monde. Ouais. Mm. Puis en fait, y a, quand ils apprennent à marcher, des fois, nous, ça. En fait, notre, le modèle de numéro 2 puis numéro 3 faisait en sorte que ça les fait marcher en cow un peu plus parce que ouais. c'est gros quand même. Fait que nous, pendant un petit bout, on est passé aux au jetables pour les leur aider à marcher. Mais voilà là, ça amène au dernier bout, puis c'est le moment où euh, je joue d'arrogance avec toi. Tranqu <laughs> <laughs> Tranquillement, pas vite, la, la, la couche finit par se fenêtre. Ah ouais? Ouais, je te le dis, ça arrive un ah? moment ah ouais. J'aime ça dire un moment pour nos deux auditeurs ah y a fra fra <laughs> français de France. Oui, ça veut dire un moment donné en contraction québécoise. Vous écoutez notre podcast, c'est une immersion au Québec. Voilà. Euh, mais sur papier, théoriquement, la couche jetable aide à amener vers la propreté plus facilement parce qu'ils ont plus conscience de mm -hmm. l'urine ils ont plus conscience de ce qui se passe dans leur couche dans le fond là c'est moins de chance <rire> 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 fait que, théoriquement euh, c'est censé aider pour la, la, la okay. propreté mais ça tu vois c'est une information que je n'avais pas là je mets des doubles guillemets radiophoniques c'est censé aider je suppose pas la recette garantie facile ou argent remis là mais J'ai su... tendance à dire que. Euh, non. <rire> <rire> non, mais c'est tant mieux. Ouais. Si ça fait ça, tant mieux. Ça se peut qu'il semble plus, tu sais, soit la lourdeur, mettons, ou le, le, ben, le, le malaise d'être. Exact, ça absorbe, exact. Ça absorbe juste moins bien, moins intensément. Là, parce que... Mais une couche, une couche de table, c'est dégueulasse comment ça absorbe. Là. Ça absorbe, même. C'est dans mets une dans piscine. piscine ça absorbe la piscine au complet, deux coups, genre. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Mais c'est quoi, man, ce matériel-là? C'est. C'est fou, c'est les petites granules ouais, C'est qui... des petites granules qui absorbent beaucoup Puis pour vrai, il y a des, des villes qui quand même Commencent à mettre ça dans le compost, les couches Puis c'est vraiment cool que, Mais ça se composte une couche? Oui, il, il y a des villes, qui, je pense que c'est Victoriaville Qui est assez, là peut-être que je me, je me trompe là, Mais je pense qu'il y a Victo Qui sont assez advanced là, côté écolo, écolo. Euh, Ils arrivent à décomposer Le plastique et toutes les autres matières Puis il reste juste justement la petite granule Que ça, quand tu mets ça dans de la terre, c'est winner Parce que ça garde l'humidité ah, ok. C'est comme ça le principe, la ouais. petite granule. Fait qu'il arrive à décomposer puis à composter les couches. Puis ça, c'est plus, plus, plus. Là, bravo, Mais ça, j'aurais aucun problème. en fait ouais. des sacs compostables. On pourrait faire ouais. des couches compostables. Ça serait bien cool. Ouais. Ben, en fait, si vous êtes grano nous, on achetait les couches Attitude, Bio, machin, truc euh, un petit peu plus. Il n'y a pas de plastique dedans, mettons. Ok. Mais il coûte un peu cher, fait que tu sais, on, mm -hmm. on utilisait pour justement le soir. Hey, on mais ça, c'est une autre affaire qu'on n'a qu pas parlé, mais la nuit, moi, on oh, mettait mais... pas de couche euh, lavable, par exemple. On ouais. mettait une couche de table. Parce ouais, ça, bah, absorbe ça absorbe plus. plus. Exact. Ouais. Ouais. Aussi, aussi l'autre chose qu'il faut spécifier, c'est si ton bébé, il a le cul irrité, mm. tu peux pas mettre la couche lavable, là, parce que ça reste pas bon. As lu, je sais pas, question en fait, d'humidité ou je sais pas quoi. Nous autres, on mettait des jetables dans ce pour la laisser guérir. En fait, il y a de ça, mais nous, c'est surtout sur la, le type de crème que tu peux mettre. parce que Tu peux pas mettre de zinc dans une couche euh, lavable. Ah, ben ça complète mon idée. Ouais, parce que le zinc, <laughs> c'est quelque chose qui fait perler l'eau. Fait que si le zinc, ça va sur ta couche lavable, elle absorbe plus. C'est un peu crisp parce que le but, c'est qu'elle absorbe. <laughs> Fait que tu scrapes ta couche, puis là, il okay. faut que tu la laves de façon vraiment intensive. Fait que faut que tu mettes genre de la... Là, j'ai l'air du gars non, Faux, Le est, grano est autre, non, Mais il ouais. faut que tu mettes genre de la cire d'abeille puis des affaires comme ça. Il existe des crèmes qui marchent, mm. mais sont, sont quand même vraiment moins efficaces que le zinc quand ils ont les fesses irritées puis qu'ils font une poussée dentaire puis tout. Fait okay. que... Du cornstache, peux tu peux-tu mettre ça, du cornstache? Tu peux mettre du cornstache pas dans tes pire, couches ça. là Hey, moi, là, le les fesses irritées, sérieux, sérieux si, si mettons, là il, il fait pitié parce que tu sais il y, a, il y a les fesses qui ont l'air de Bagdad mettons ouais. là Man, mettez de la mettez du cornstarch c'est magique ouais. c'est magique ah oh, ça fait vraiment 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 bien la job ouais. puis ça marche dans les couches lavables parce que là, ça ne change pas la capacité d'absorber de la couche c'est ah. ça c'est pour ça que vous preniez des couches lavables quand qu il y avait les fesses irritées c'est si tu mets du zinc là de la ne me la... suis jamais posé la question Fais-moi confiance, sous crème, non, mais tout, ça, ça scrape ça... les couches lavables, ton... c'est pas une bonne idée d'y mettre dedans. Ton, ton argumentaire est très, ouais. très, très bien. Mais il y a d'autres crèmes qui font la job, mais c'est quand même moins efficace. Euh, là, on parlait de ce qui mène à la, la propreté, fait que la couche lavable a tendance à, à faire la job. Moi, je, je touche du bois, puis j'ai la chance d'avoir une blonde qui est à la maison. Que, tu sais, quand tu veux mener vers la propreté, c'est sûr que c'est quand même un investissement de temps. Je n'ai pas eu le temps à vivre ce processus-là ouais. parce que ça, ça se passe au quotidien, là. ça se passe euh, dans, dans chaque instant de la journée tout et tout. Fait que, euh, on embarque-tu sa la propreté? Ben, tranquillement, pas vite? Bon, ou, euh, ouais. oui, ben, ouais. Ah, ouais, ben. ah. Nous autres, on... ben, je vais te laisser finir ton ouais. idée. Fait que ça Moi, ça s'est passé beaucoup au travers des lectures, parce qu'on lit beaucoup de livres à nos enfants. Fait que, euh, pour ceux qui le connaissent, euh, Le beau caca content, ouais. c'est l'histoire. Tu le ben, beau caca content. Non, mais je, je sais pas si c'était lui, là, mais... Il finit tout sa de... vie dans le fleuve en étant heureux ah, et en dansant lui. avec moi. C'est les cacas caca des différents animaux, puis aussi... Euh, ah, ouais, non, oui, est on l'a lu celui-là ouais. aussi, mais le beau caca content, long story short, c'est si tu ne fais pas le caca dans ta couche, puis tu le fais dans la toilette en disant Bye », plutôt que d'être écrapou dans sa couche, ben il s'en va dans le fleuve puis il danse avec ses amis de caca. C'est un peu répugnant quand tu dis ça de même que toutes les cacas s'en vont dans le fleuve, mais peut-être que pour ceux qui se rappellent l'image de Coder en mignon là, qui, sont, qui, qui est dans le flushgate. Ouais, ça, le flashgate, Ça, gate, ouais. <laughs> ça, ça rappelle ça. des images importantes. <laughs> mais euh, fait, le beau caca content, pis... Je sais pas si c'est, nos filles, mais nous, ils tripaient sur avoir des petites culottes qu'ils aiment. Fait que, tu sais, leur acheter des petites culottes spéciales. Ah oh ouais, non, ça, c'est vrai, ça marche bien. Qu'ils les... aiment, pis là, ah, oh, check, tu mets Avec culotte, des beaux designs, design, Puis ils sont, ils sont, sont, sont ce hein, quand ils ont des petites fesses d'un culotte ah aussi, C'est, nice. Ça hein. fait grand, pis tout ça. Ouais. Nous autres, juste pour finir, ça c'est référence littéraire, mais on ouais. avait, on a beaucoup lu Pirate Petit Pot aussi. Ah, nous autres, c'était les... Mela Culotte à Pois. OK. Ben, il est, est cool, Pirate Petit Pot, parce okay. que, tu sais, Peut-être le côté masculin un peu plus. Euh, ouais, c'est ça, rare on, on, pirate. On, on vise la cible, c'est une toilette de pirate. OK. Euh, anyway. Euh, ben, je pense que n'importe. où, il y a beaucoup de livres qui sont faits sur ce sujet. Nous autres, on lit plein de livres à Numéro 3, puis il y a Fuck All qui se passe. Mais je t'avoue que. On est un peu paresseux, tu sais. Ben, je pense pis, que c'est beaucoup dans de l'investissement de temps que ça C'est de l'investissement de temps, t'sais. mais j'aime mieux être paresseux, puis que ce soit plus long que l'inverse. Parce que, tu sais, j'en avec ma mère l'autre fois, puis elle dit Nous autres, là. On nous forçait à nous asseoir sur la bolle en disant, tu te lèves pas tant que t'as pas fini, puis on est tous constipés. Est, on est une génération de constipés. Est OK, vrai. on, est, on est, est rendu là. T'es constipé, toi, t'as mais... des problèmes de, de digestion mais... et de constipation, Julien? Veux-tu nous en parler? Pas, pas moi. OK. Mais... Alors, on est une génération, mais en tout cas pas moi. <laughs> non, non, mais j'ai cité mes, 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 hein, ouais. cité mes parents. T'es sauf constipé, J'ai cité mes parents, c'est une autre génération. T'sais, ils ont été Éduquer autrement par rapport à ça. Puis c'est vrai que c'est ultra angoissant. Puis tu il est pas complètement en cave. Là. T'sais, il a dit des bonnes affaires à un moment donné, surtout le contrôle. Tu ce qui rentre, puis ce qui mm -hmm. sort de ton corps, c'est du contrôle. Puis il y, a, il y a différentes cultures aussi qui les assoient, tu fais, puis tu pas ouais. le choix. Puis fait c'est. J'aime mieux être plus laissé aller que l'inverse. Nous autres, on, on se bat pas avec. Tu on hein? a des petits renforcements, on met des petites étoiles, c'est humain, puis tout. Puis. Euh, on applaudit puis on est fier quand on mais en même temps faut pas péter le gros chaud non plus mais tu sais fait qu'on fait je pense ce genre de petite pratique là puis je pense le meilleur outil mais c'est très personnel là, mais le meilleur outil là c'est juste de pas être pressé puis d'aller de suivre la vibe tu sais ouais. parce qu'il y a des euh, ce qui arrive, c'est que ça fait un peu comme, tu sais, celui qui fait un saut d'appel au tremplin, là, mettons, dans un Olympiques, mm -hmm. tu sais, il back un peu, puis après ça, il saute, là, puis ça fait ça, malheureusement, c'est que des fois, ils vont être popés, hein, puis ils vont avoir une bonne vibe, puis où ils vont le faire et chez vous, et à la garderie, ou un ou l'autre, ou les deux, peu importe, puis à un moment donné, tout ça fout le camp, on dirait qu'il régresse jusqu'à l'âge de six mois, tu sais, fait c'est tough parce que quand tu gagnes quelque chose, c'est tough. Tu quand veux tu plus reviens, le perdre, hein? Tu veux pas le perdre. Il faut juste comme, Imagine que tu es, euh, je sais pas moi, dans la, dans la mer, puis il y a des grosses vagues qui arrivent, il y a des petites vagues qui arrivent, puis tout ça, puis juste surf ces vagues, tu sais. Mm. Puis à un moment donné, ça va ça va y aller. Ça, à 18 ans, même, il va être propre, tu sais. Il devrait pas trop avoir de problème <laughs> Les fait, chances fait, sont bonnes. Les je, chances je, sont bonnes. Je suis tanné, je suis tanné de changer des couches, je suis tanné surtout des pipis la nuit, parce que ça, c'est quelque chose qui continue même ouais. en or. D'ailleurs, on pourrait faire, euh, on pourrait continuer là-dessus, là. Il y a une machine que, 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 que existe, je vais hein, utiliser, ouais. qui existe, mais je, je n'ai pas vraiment d'informations là-dessus. Mais bref, on l'a commandé. Tu vas l'avoir bientôt. je vais l'avoir bientôt. Ouais, bientôt parce que, mon de soi, c'est dur aussi quand qu il, qu il grandit, c'est tout. Mais, mais des mais... fois, ça peut être physiologique, là. Ça peut être. Mais ben, c'est un... clairement physiologique. Il y a la paix qui n'est pas là. là. Il, y a, il y a quelque chose. Ben, qui n'est pas là, qui n'est pas encore assez développé. Qui n'est pas développé ouais. ou le réflexe, le corps n'a pas le réflexe, ouais. fait que Ça donne rien de culpabiliser. Puis, j'entendais des fois des, 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 des parents en garderie, ils se sont échappés dans leur culotte puis ça puis ah ben là encore puis là c'est en fait, dans la toilette, toilettes faut tu ça mais ça donne rien tu sais puis ouais. ma réponse à moi puis je... c'est peut-être pas la meilleure mais c'était ben ça arrive mon grand puis c'est pas très grave tu sais en fait c'est parce que il y a comme des, des grandes étapes de la vie, on dirait, là. Puis, euh, de façon basique, c'est comme une compétition. À toi, il a marché à quel âge, toi, il était propre à quel âge, toi, il a parlé à quel âge. Mm -hmm. tu sais, c'est comme ces grandes affaires-là. C'est bon, ça, comme ça. symbolique. Là, ouais. puis, genre, je reviens juste sur le, le, le volet contrôle, puis mini parenthèse, parce que euh, j'en disais qu'une une fille au bureau, c'est un peu freak, là. son fils s'est mis euh, au moment d'une séparation à arrêter d'aller aux toilettes. Puis numéro 2. Mais pas en tout, là. Genre, aux semaines, on se mm -hmm. ramasse à l'urgence pour faire un lavement parce que là, il y a des problèmes de vente, de la mort. Puis c'est une façon de contrôler ses parents puis de montrer son insatisfaction face à tout ça. Puis... Mm -hmm. Mais c'est un problème, là. C'est un problème en esti ouais, là, quand... Ouais. Il... il ressort Mais le stress Il star, va faire il fait... des, des fécalons aussi, là. Ça pue en salle, cette affaire-là. Ah, puis il est juste... Ça va jammer. Puis... Ça jamme, là. Ouais. C'est ça, l'affaire. Puis ce que je suis d'accord avec toi... On, pour vrai, on est juste chanceux. C'est que. Je pense qu'il faut y aller à leur rythme. Nous, euh, numéro 3 est, est propre. Là, fait qu'on touche du bois. Bravo, là, On est, on est content Mais C'est parce qu'elle a vu sa grande soeur, elle voulait y aller, puis elle mm. tripe, bien puis contente, puis on. Est ch chanceux, entre guillemets. Là. Euh, mais c'est tout. Là, t'sais. Mais tu sais, il y a d'autres. C'est vrai que tu peux le favoriser, tu peux en faire un thème. Puis dire euh, Ben, je vais lire des livres, ouais. je vais valoriser ça, je vais en parler, euh, elle va me regarder, faire euh, ouais. pipi, caca, nan, nan. Ben, fine. T'sais. Mais au-delà de ça, c'est parce que le contrôle que tu là-dessus, je veux dire, c'est le volet, c'est son C'est parce que le besoin, c'est ça, t'sais. Il est physiologique, c'est ouais. un besoin de base, mais au-delà de ça, ce qu'on oublie des fois, c'est que t'as un besoin aussi affectif. T'sais. Le, quand on parle de contrôle, puis tout ça, fait Laisse aller, man. Fais pas de bras de fer. Je pense ouais. que c'est le début de la fin si tu fais un bras de fer. Puis si tu leur exposes tes attentes, tu vas juste créer de l'angoisse. Ça ne hum. sert pas à grand-chose, honnêtement. Ben, c'est mon opinion personnelle. Nous, le, ça le, finit le, par passer. Le, le, ça... le, 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 la façon. Encore une fois, je, je dis nous, là, mais je ne suis pas un nous inclusif là, parce que ça s'est passé quand je n'étais pas là. là. Euh, C'était beaucoup du. Elle se mettait, tu sais, concrètement, numéro 3, s'est mis à triper sur les petites culottes de sa grande sœur, numéro 2, puis à vouloir les mettre. Puis là, ben, si tu veux mettre une petite culotte, il faut que je t'enlève ta couche. Puis, ben, ma blonde, on en parlera dans un épisode de mais on utilise beaucoup le langage des signes, puis elle s'est mise à signer, tu sais, si t'as envie de pipi, dis-moi-le, c'est. tu tapes les fesses, tu sais. Puis, ben, elle a voulu aller aux toilettes, puis là, ben, rapidement, c'est. Ok, tu veux plus mettre de couche, faut vais mettre les des petites culottes, tu as des petites culottes à toi, puis « bah ok, on va sortir les livres, on va les on va les lire. Mais je pense que tu sais, dans tout ça, c'est un peu ce que tu dis, c'est d'y aller à leur rythme mm -hmm. puis des accompagner là-dedans, plus que d'essayer de les pousser parce que euh, le, le fils du voisin qui a le même âge, lui, il est propre, puis pas toi, Puis là, c'est stressant, pis c'est angoissant, mm -hmm. puis euh, j'ai bien de l'air en retard. Mais on s'en calisse, là en fait, là, c'est pas. Ça change rien. Là. Puis je, je sais pas jusqu'où c'est vrai, là, tu sais, je t'avoue que j'ai pas lu là-dessus, mais c'est une croyance qui existe ouais. ça mais tu sais sur les petits gars versus les petites filles je pense ouais. que les petits gars ça se peut que ça soit plus long a, ouais, ouais. écoute son... je serais curieux de faire un échantillonnage là, mais je pense en effet que les petits gars c'est plus long moi il y a mais quelque si chose, je chose de génétique... dans mon entourage ouais cette ce stat là mais, se mais confirme oui. puis tu sais j'ai trois gars pis ça a été long les trois ouais. moi, moi j'ai pissé au lit mon gars là puis je le dis devant 500 auditeurs c'était ouais, dégueulasse. Bon, mais honnêtement tu sais ouais. longtemps là puis j'étais gêné de ça je me rappelle d'avoir des souvenirs que je voulais pas aller coucher chez des amis parce que j'avais peur. peur, ça pouvait arriver, hein. puis tout. Fait que si j'ai des souvenirs de tout ça, c'est parce, parce même, que même au-delà de 6 8 ans, ans ouais, ben ouais, ah, masse, en ouais. masse, tu sais. Fait que, euh, à un hein. moment donné, euh, c'est ça, faut, faut, faut être avenant là-dedans, pas culpabiliser, pis tout ça. puis s'il y avait la petite machine dans mon temps, je te jure, je l'aurais faite, là, ouais. tu sais. Fait que c'est ça, c'est urino-arrêt, la petite machine, je, je peux en parler... Euh, Rino Arrest, une compagnie, souvent, c'est, euh, remboursé aussi si vous avez des assurances. Ah ouais? Ah, nice. ça, ça peut être intéressant. Okay. Moi, euh, il en paye, je mène, je pense, 70%. Parce que c'est pas donné, là. Non, la location non, 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 c'est pas donné. C'est loué, right? Il me semble qu'il y a, une... oui, c'est loué, il me semble qu'il y a une... il y a certains CISSS aussi, euh, le à votre CLSC, ça se peut okay. qu'ils prêtent, mais il y en a, moi, ils le faisaient, ils le font plus. Ils m'ont référé à, à d'autres places. Euh mais, mais euh, c'est ça dans le fond je pense même que ça vient avec une garantie là dans le sens où tu garde aussi longtemps que ça fonctionne si après tant de jours ça a pas fonctionné il peut avoir un remboursement mais là-dessus vérifier là c'est pas de l'information euh, que j'ai euh, tight tight là bref c'est une machine qui détecte l'humidité puis qui fait bip 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 c'est une quand... machine qui va réveiller ton gars ton gars se lever va aller aux toilettes puis c'est parce que ça c'est crissement behavioral ouais. On ne se voit pas de cachette. C'est juste genre... C'est très va oh ouais. vos toilettes. Tu un signal à ton cerveau à, quand, ouais. quand tu sens que tu as une envie puis ça, ça s'en vient dans le canal. Ben D'avoir le réflexe dans le fond de rétention. Ouais. Tu sais, ça ressemble à ça, le, le principe. Puis, euh, tu vois, là, il y a celle qui, euh, qui écrit... Je ne sais pas si elle l'a encore encore. Il faudrait qu'on qu la voit. Mais c'est à publier ses posts sur... Euh, imperturbable mais c'était euh, maman euh, sans amertume maman ça en fait amertume. longtemps qu'elle a pas publié ouais je sais suppose si on elle va la relancer encore, on va la relancer puis au pire on va la battre mais non c'est <laughs> pas vrai c'est une joke euh, mais faudrait euh, faudrait y en parler parce qu'elle l'a fait puis je pense que genre trois jours c'était réglé ouais. en fait c'est ça je pense c'est juste que l'enfant mais faites les pas clair, à deux ans on... et demi tu sais c'est ouais, pas... un moment donné c'est parce que quand ton enfant devient gêné pour moi il y a quelque chose au niveau de l'estime là c'est de l'aider là dedans en fait oui puis tu sais j'ai beau dire à mon gars tu sais ton corps il se développe, t'as pas vraiment de contrôle là-dessus. puis il y en a un qui va être plus propre, mais que tu sais, avant, avant, d'autres par après, pis tout ça, ouais. pis c'est pas grave. Quand qu il voit son petit cousin qui a 2-3 ans être propre et pas lui. Plus jeune que lui, mmh. pis qui est plus précoce, puis ben ça fesse dans le dash pas à peu près parce que le grain que ça couche là, le matin, c'est vrai que ça symbolise un peu le bébé. Ouais. fait que rendu là, je pense qu'il y a de quoi à faire. Là. Exact. Pis mmh. En fait, c'est là t'es là pour l'aider, en fait. Ouais. Puis, tu sais, euh, tout à l'heure, je, je, ce, que, ce que je disais, euh, tu sais, dans le fond, il y a tout le volet de nocturne. Je pense que c'est là que, quand, quand il vient, c'est un peu plus tough. Mais dans le volet euh, au courant de la journée, je pense que c'est quand même un peu plus facile, là, ce, ce, cette portion-là. Oui. Puis, c'est ouais, ouais. un investissement de temps, puis... Ouais. Moi, l'été, ça a été tout le temps salutaire. Ouais. Je les mettais tout nu c'est tout nu, il se promenait tout nu, euh, il avait envie de pipi, j'ai jamais vraiment utilisé le petit pot, j'avais une espèce de pot de cover ajustable ouais. que je mettais sur la toilette pour ouais. qu'il tombe dans le trou là, t'sais. puis euh, il pouvait avoir peur aussi de ça, mais Rah rapidement, ils en voulaient même pas, ils se tenaient avec leurs mains, puis tu sais, c'est pas vrai, là, que la toilette va te gober, comme dans le film Le Petit Monstre, là, tu sais, je pense ça, ça, c'est un gros ce qui, cas, moi, ça passe assez rapidement, mais tout nu, là, pis il pisse dehors sur le bord d'un arbre, tant mieux, puis si ah, c'est une fille, là, gars. ouais, mais fuck, c'est oh, une fille, accroupis-toi, ben, c'est sûr que t'as pas vraiment euh... de cours ici, mais, tu sais, moi, souvent, on a une ah, grande euh... cour, pis tout ça, accroupis-toi, puis fais pipi à terre, on s'en en fait, balance. C est, c est, ben, pour l'avoir fait, là, ouais. c'est tough, accroupi parce que, ouais. une petite fille, ça a pas ça n'a pas de petit tuyau fait que ça vise oh pas ouais? ça ça pour que ça spray et ça se passe comme un ouais, sprinkler exact fait que la technique quand tu une petite fille c'est qu'il faut que tu tu lèves ses genoux puis tu lèves un petit peu fait que en tout cas voyez-vous je... comment je je connais pas j'essaye de faire l'image parce que on... tu sais c'est arrivé là on est au parc il y a pas de toilette on est un peu dans la chenoute ou on est dans le bois puis il faut faire quelque ouais. chose là. fait que j'ai des mouchoirs c'est moins, dans mes... moins commun, ouais, mais, mais ça se fait puis c'est bien correct là c'est juste qu'il faut un peu T'as mettre dans ouais. une position X, mais c'est correct. Là. Je, je l'ai fait des dizaines de fois. Ça, ça, c'est tellement drôle parce que je connais tellement pas ça, puis tu connais pas ça des petits gars. Ouais. Tu sais, c'est quand même drôle. Exact. Mais là, je vais tout fucker. Le... Euh, mais tu sais, ça marchait le... tellement, trois gars, trois, trois filles, là, deux imperturbables. Puis là, moi, j'arrive avec mon genre de chiffre impair de marde. <laughs> Ou père, parce qu'en en fait, t'en as quatre. C'est un ouais, chiffre père. C'est ça qui est magnifique avec les chiffres qui sont par quatre, ça se par deux. Mais bref, et je vais reprendre la position de gars euh, bobo du plateau, trois secondes d'écart parce que là, tu y allais sur l'été tout nu. Ouais. Nous, euh, bon, ma blonde, est, euh, on va souvent dans les, les, les trucs de Ligue de la Lecce et tout, et tout, puis en tant que je vais reprendre le personnage de gars bobo, j'ai assisté personnellement à une conférence sur l'hygiène naturelle chez les enfants. Est-ce que tu sais c'est quoi, Julien, l'hygiène naturelle? L'hygiène naturelle... Non, on ne l'a pas fait. Explique-moi ça. On va tout de suite mettre ah, un disclaimer. Il faut que tu l'amènes devant la toilette puis qu'il fasse. Ça, le principe, c'est ah, de vivre. Drôle. Avec pas de couche. Point. Ah, c'est tout. En oh, partant. Ils sont malades. Puis, j'ai assisté une conférence. Puis, pour vrai, ça marche, là. On ça est... marche? Pour vrai, il y a moyen de faire en sorte que. Ah, As-tu poussé la démarche, personnellement? On ne l'a pas fait. On n'a pas vécu. Qu'est-ce qui qu fait que tu as back -backé, à un moment donné? On n'était pas prêt à t'embarquer jusque-là. Là. On, on a fait y voyage avec des couches. Ouais. Euh, je vais expliquer, puis tu vas comprendre. vas vas-y, vas-y. OK, l'idée, au départ, puis euh, méga disclaimer, je ne suis pas un expert. S'il y a des experts en hygiène naturelle, euh, puis vous voulez venir sur le show, euh, écrivez-nous, on va le faire avec Hygiene grande joie. Hygiène naturelle, c'est ça. Hygiène naturelle infantile ou quelque chose comme ça. Il y a un acronyme à trois lettres, parce que tous les acronymes sont à trois lettres. Là. Euh, mais grosso modo, l'idée, c'est de ne pas mettre de couche à ton enfant dès la naissance. First. Deuxième chose, c'est la peau de mouton, c'est stérile fait que tu le couches sur une peau de mouton, fait que s'il pisse dessus, on s'en fout, ça se lave, pas un problème. OK. Troisième affaire, c'est un peu comme un chiot. Tu sais, un chiot, tu es capable de le détecter là, quand est-ce qu'il a besoin d'aller dehors pour aller aux toilettes, ben tu fais la même chose avec ton enfant, fait que tu traînes constamment sur toi un pot. Fait que tu check si l'anus de ton gars est en train de commencer à pulser. Mettons. Non mais tu sais, la face de il tourne, il cherche et puis pour vrai, si tu regardes attentivement un bébé, tu sais tu le vois là, tu sais on appelle ça souvent la face de pète. La ouais, phase de pète, c'est que tu vois que ton enfant ouais, est mais en train le temps de te faire... que je fais ça, je suis méga stressé, puis je fais rien d'autre. Ben c'est ça l'affaire. C'est pour ça que nous, on a décroché... Pis... Oh mon dieu, il va pisser. Là, tu le peignes, puis tu ouais. lui transmets tout ton stress. Ben oui, puis non, parce que si tu fais ça, tu es dans une logique de... Je suis attentif. Tu sais, c'est des maîtres tai -chi, là. Oh, le monde s'y fonce. Tu la peau de mouton, puis quoi, laisse moi, patient. Ben. <laughs> peu, mais imagine, spin ça positivement, c'est ouais, du okay, monde, okay, okay. ils sont ils ultra, faire un effort. ultra à l'écoute, ils sont là, sont avec eux, puis ils font vraiment là, astille, ils font de l'aïkido de la, la, la propreté, là. Ouais. fait que là, je sais que mon enfant, une demi-heure après avoir allaité, il a tendance à pisser, fait que là, où, je le pomme, dès qu'il y a une face, <laughs> je le mets au-dessus du pot, je le ramène, je le recouche, puis tout va bien, là, puis tu sais, c'est, c'est, c'est zéro angoissant dans leur face. Tu sais, c'est comme dans des leur, maîtres euh, zen, ouais, 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 là. Ouais, ouais, sont, sont... Puis c'est ça. Fait que là, Mais ils ont constamment un pot, accepte, pis. C'est pas accessible en Occident. Ben, c'est tough. Puis c'est tough <laughs> particulièrement l'hiver. Ben, je comprends. Parce que l'hiver, tu sais, il y a des moments où tu es dans le char, puis tu t'en vas dans, à une heure de char dans un, un habit de neige, puis c'est plus tough d'être sur l'autoroute. Puis tu fais « ouais, je pense qu'il y a une phase de je, je suis sur le bord de faire pipi fait que je vais l'asseoir sur mon Tupperware. » Mais on euh, n'a pas parlé du gain. C'est quoi le gain C'est qu'il vient de propre méga vite. Le ben le gain, c'est que tu prends pas de couche du tout. Fait que tout 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 ce qui est toutes les fesses irritées, tout tout ça, ça existe pas. Parce que pourquoi les fesses sont irritées? C'est parce qu'elles sont pognées dans l'humidité, là. Ça existe pas. Ça, on, ça... Fait que le but, c'est pas qu'elles soit propre. tout de suite. C'est un, ne pas consommer de couches. Deux, ne de pas renfermer l'humidité alentour, ouais. alentour de Il existe même des pantalons avec le trou en avant. Tu sais, c'est un pantalon, il a les jambes, mais c'est ouvert. Là. Il peut pisser, il peut chier. C'est comme, euh, ouais. comme un pantalon de cowboy, C'est comme des chaps de cowboy, mais de cowboy. Fait que, euh, que c'est ça. Puis pour vrai, quand j'écoutais la conférence de la dame, c'est plein de logique là ça mmh. se fait c'est correct mais ça demande en fait un peu comme un bébé chiot que tu sais un bébé chiot quand tu l'as c'est un commitment t'entends là ouais. pour le rendre propre ben là faut que tu fasses ça avec un bébé d'un mois maintenant je sais pas ça nourrit quoi tu sais je sais pas il y a eu le gain c'est tu ben, il là... doit avoir réussi ça je de... comprends je pense qu'il doit avoir avoir.001. 4 de la population qui fait ça peur. parce que moi personnellement je suis pas un myzen. Tu sais je suis rendu à ce stade là dans Les ma vie, m'avoir fait 27 ans de méditation là, tu sais on s'entend ouais, parce que exact. sinon je risque... Pas mal plus d'être stressé, essayer de détecter les signaux. Et le temps que je suis focus là-dessus, attentif à ça, et... je suis pas en train d'y faire des grimaces. Puis qu'est-ce qui est mieux sur son développement Que je fasse des grimaces ou que j'attende que la l'anus pop comme un deux piastres mais Je ne le sais pas. Là. En fait, l'affaire, c'est que je pense que les deux ne sont... sont pas en compétition. C'est que si tu étais vraiment. Non, mais je suis clairement un mauvais par parent. Non, non, non ce pas ça que je suis en <laughs> dire, mais si tu étais 12 heures par jour en train de faire des grimaces en interrelation avec lui complètement, pas plutôt en train de faire, si j'ai 2000 affaires à faire, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je fasse plein d'autres affaires. Parce que c'est ça la réalité, c'est qu'on a 1000 ouais. autres stimulus à l'extérieur, il faut que je sois sur mon email, il faut que je réponde à Facebook, pis etc. T'sais, si tu es en, si es en mm. symbiose totale avec ton enfant, tu vas le savoir. Le mm. problème, c'est que tu n'es pas en symbiose totale. Pis tu, pis mais, tu peux pas. mais même si on n'avait pas la technologie, les, -ci, les ça, je n'irai pas jusque-là dans mon équilibre. Je veux dire, Exactement, mais. D'être à pas 100%. Fait, là. Ça, ça, ça veut dire de te décentrer de toi exact. complètement. Toujours être centré complètement sur les besoins de ton enfant là, à 100%. Puis je trouve que c'est correct que ça existe, puis tout ça. Mais mettons d'en faire une formation, puis de prôner ça. Là, ben, mais, non, ouais, ouais, non, non, mais attends, ça, attends, attends. C'est une formation, C'est un, une conférence ouais, qui existe. C'est une philosophie, pis tout ça. Ouais. Reste que qui l'impact qu'il risque d'avoir à, à, de concret, c'est beaucoup plus de. C est, c est Moi, je trouve ça culpabilisant. Pourquoi? Ben, je veux dire, tu sais, je suis pas un maître zen. Moi, c'est la première réflexion que je me fais quand tu me racontes ça, c'est fuck, je suis je suis pas à ce point centré sur les besoins de mon enfant. Je suis pas un ah maître présent. Tu pourrais être à l'infini centré sur les besoins de ton enfant. Je veux dire, tu pourrais faire que ça de ta vie. Puis tu décides en tant qu'humain d'investir du temps sur autre chose comme jouer à des jeux sur ton téléphone ou lire un livre. Puis c'est pas incorrect. Mais tu pourrais juste être en train de cultiver ton enfant puis de le booster au stéroïde en lui montrant des choses de la vie puis en lui faisant vivre du temps avec des grenouilles puis des papillons puis c'est donc bien cool la nature puis regarde-moi ça, l'architecture post-baroque néo-moderne de ce bâtiment. Tu, sais, tu, ouais. tu pourrais tout faire ça ouais. puis faire en sorte qu'il soit le meilleur humain de la Terre et le plus pacifiste et le plus incroyable. Personne la plus incroyable que la Terre n'ait jamais porté, tu pourrais. Pour en ta santé mentale, tu décides d'investir ça dans plusieurs sphères de ta vie, dont d'autres choses qui sont tes, en... y a tes enfants, il y a ta famille, puis il y a autre chose comme faire un podcast ou boire de la bière. C'est Mais en bout de ligne, si cette conférence là version shrinkée de trois minutes et demie, se retrouve sur les réseaux sociaux l'impact que ça va avoir sur 99.4% ouais. de la population c'est soit un jugement assez vague, genre c'est une merde ça son fond en crise, ça ouais. ça serait le premier exact. puis l'autre s'il décide de s'intéresser à ça risque de ressentir quand même un peu de culpabilité ben c'est la même chose que quand on dit euh, les mais enfants, je dis pas que c'est leur intention ou... d'être euh, de culpabiliser Avec les pas gens du tout, pas du tout. mais l'impact de contaminer positivement et rendre cette pratique-là fortuite. En fait, <laughs> je ne suis pas sûr, sûr qu'on va atteindre ça. Si, si on généralise, c'est que toute information qui t'a démontré que je ne suis pas en train de mettre un max d'efforts sur mon enfant a tendance à me culpabiliser en tant que parent. On devient ouais. dans du méta, ouais. là, beaucoup, beaucoup. Puis ça, c'est confrontant parce que je me dis que je suis le meilleur parent au monde. Puis quand tu me dis que je pourrais être un meilleur parent que ce que je suis, ben ça me fait chier un peu. Fait que soit que je m'oppose à ça puis je dis non c'est de la de ta patente pis t'as tort ou je me culpabilise c'est les deux ouais. les deux comportements que je peux prendre mais quand on va chercher un extrême dans une pratique mais je, mais en fait, la 99% faim... du monde vont en fait, réagir pas... dans ces deux voies-là -là, c'est que, que, que je trouve arriver. triste puis on, on vient au sujet d'Océane c'est c'est pas extrême y a Pas si longtemps, là. ça n'existe pas depuis, depuis des milliards d'années, Chris, des couches. Là. Avant Pampers, là, des couches lavables, c'était comme il y avait juste ça. Puis avant ça, c'était pas ouais, des ben couches, c'était un truc non, de papier. Non, ben, qui... je, je comprends Mais idée, en Chine, là, ça n'existe pas des couches où à peu près pas. Là, si tu vas te promener à quelque part dans la, la campagne en Chine, ils font tout ça, c'est normal. Ah, c'est correct. correct. Ben D'abord, il faudrait se poser toujours la question. Attends un peu, c'est quoi mon histoire? C'est quoi le contexte socio-économique dans lequel je suis? Puis à ce moment-là, ça s'applique-tu à moi? Je ne suis pas sûr qu'on fait ça tout le temps. <laughs> parce, tu, sais, tu peux même me dire aussi là, que dans le temps, il n'y avait pas de couche là, dans le, les Homo ça. sapiens sapiens, mais c'est parce qu'on n'est plus là. Dire, non, non là, mais ça, le, les, le, les choses ont évolué. Non. Moi, je me suis pas senti jugé par ça. J'ai écouté de façon intéressée cette conférence-là. J'ai appris des trucs, puis j'ai volontairement ouais. choisi de ne pas le faire parce que j'étais pas prête à m'investir à ce point-là. Ouais. Mais je me suis investi sur d'autres aspects, c'est bien correct, puis il n'y a pas de problème. Je, je, non, je faisais juste l'avocat ouais. du, du diable, pardon. Ouais. Parce que si Mais je un me un sentais réellement jugé. Mmh. Ben, j'en aurais pas parlé. <rire> <rire> mais, mais ouais, ça peut, ça peut être confortable. c'est le genre de truc qui, euh, qui font est des hosties de Mais je, ce que je trouve le fun dans cette discussion-là, c'est que, tu sais, quand nous, on a mis des couches lavables à la première, il y a genre 7 ans, on était un peu funky, cool, grano. Mais mettons nos amis qui avaient fait ça trois ans d'avance, il y a 10 ans, eux, ils étaient vraiment des hosties de ouais. Puis aujourd'hui, prendre des couches lavables, c'est comme. C'est pris normal, ouais, c'est ouais. pas c'est pas... pour... quoi le ratio d'après toi de monde qui met du lave Ah, je suis méga 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 biaisé parce que dans mon entourage, il y en a que beaucoup. que ça. Ben, c'est pas que ça, il y en a quand même beaucoup. Euh, moi, je pense que c'est max. Si je suis réaliste, là, je pense que c'est max 15%. Non, moi, tout, je ne mettrais pas une fois sur C'est en pas, bas de ça. Dans mon entourage, c'est plus haut que ça, mais ça donne que je m'entoure peut-être de monde qui ont les mêmes valeurs, les mêmes façons de faire mm -hmm. que moi. Mais euh, si je regarde ce que je lis à gauche, à droite dans des groupes ou euh, des trucs comme ça, euh, je pense que c'est pas énorme. Je pense que le but de notre podcast aujourd'hui, c'est pas de dire, eh, Amen, change. Euh, ben un peu dans mon opinion, là, mais en même temps... Enfin, euh, pour, pour moi, c'est surtout de dédramatiser le côté complexe de la ouais. patente, puis de faire... Allez, hey, sérieusement, c'est pas plus compliqué que de laver leur linge qui va être sale ouais. de toute façon. Là, Il y a une nuance que je peux apporter, par exemple, c'est... Euh, tout, as, tu as, as la machine à lingettes, puis tout ça, parce que tu as aussi les linges en coton, puis tout ça. C'est pas On wax, est là, on pour semi écolo ouais, c'est ça. Les, les, hum. les, nous autres, les wipes, on est toujours restés aux wipes ouais. on trouvait que c'était comme plus simple pis euh, mais euh, en même temps tu sais je sais pas tu sais c'est quelque chose une pratique que je pourrais changer aussi toute la petite machine qui fait que l'eau est à la bonne température ben, ça, ça, le, ça, on la... suis pour la deuxième tant qu'on recule un peu là on a parlé beaucoup des couches puis ben à quelque part faut que tu, pour les non-initiés faut que tu prennes quelque chose pour leur essuyer les fesses mm -hmm. la mode actuellement est d'acheter euh, des petites wipes c'est un ouais. petit sachet machin Là, tu peux acheter différentes gammes. Tes granos, truc tu vas les acheter en bambou, pas de parfum, puis tout, pis tout bio, machin. Puis quoi, t'as assez cher. Là. Ça, ça ouais. aussi, c'est quand même, quand même euh, un budget. Là. Ouais, ouais. Mais tu peux aussi juste acheter des petites débarbouillettes, chipo magasin de pièces, puis mmh. les mouiller. Puis mmh. si ça te tente, tu peux acheter une petite machine qui fait juste les chauffer, tu sais, c'est un chauffe-lingette là. Ouais. D'où il y avait ça mais... à côté de l'endroit où on changeait ses couches, puis ça coûte 20 pièces, même, chez Serious. Mais ça, tu vois moi ra -ra -ra rapport écologie dédain là, ouais. je trouvais que on dirait que j'ai fait le choix de rester à Wise parce que c'est ça, tu sais, tu t'en débarrasses, il y a de la ouais. merde dessus, j'ai pas l'impression de jouer dans ma merde parce que là faudrait que je la torde et ouais. ma, ma débarbouillette pleine de merde. Non, mais moi j'ai lavé ouais. la même chose là en fait. Tu les je jouais pas là-dedans là t'en prenais 8 assis à way puis j'en prenais je m'en colle ici puis je mets ça dans la laveuse ça je le mets à sanitize là je le mets à fond les 11 super lave les puis d'atte En même temps que t'es couches Non, je mets après là mais quand je lave toutes les viennes de plus par exemple? J'en fais beaucoup ça ça gosse par exemple là, c'est tu combien qu'on en prend? Tu peux pas les mettre avec tes inserts Tu pourrais. Tu es en casse là. C'est juste que ceux-là ils seront pas à sanitize, ils vont être lavés. Ouais. Comme on disait tout à l'heure. Mais euh, en fait, nous, pourquoi on est passé à ça? Il y a le côté écolo, mais il y a surtout le côté que notre fille réagit beaucoup au parfum. Fait que là, ouais. si t'achètes toutes les marques commerciales, il y a beaucoup de parfums. Ah, fait que ouais. es obligé d'acheter celle en bambou, pas de parfum, machin, et truc. Puis pour vrai, ça coûtait la peau des fesses, là. Ça coûtait vraiment cher, là. Ça, ça va vite, là. T'sais. Mais rapport, mettons, efficience, tout ça, si elle avait bien réagi, puis ouais. tout, tu serais-tu allé avec les wipes ou tu préfères les débambouillades c'est pas compliqué les débarbouillettes. Sérieusement, tu sacs tout ça dans laveuse, puis ça, tu sacs tout ça dans la sécheuse. Mais le temps qu'elle est pleine de merde puis de faire ta brosse, ça sent pas? Parce que tu en ramasses quand même là. Moi, c'était ça aussi. Pour vrai, je faisais un lavage de wipes. on avait un petit pot à côté de l'endroit où on lavait, puis en faisant un lavage aux trois jours, mettons. Ça sentait pas en merde quand t'as su des caca. Ben, il n'y en a pas tant que ça. Non, pour vrai, ouais Ah, ben, je vais l'essayer avec la dernière. Pour vrai, là, c'était zéro compliqué. Zéro, 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 zéro compliqué. Puis, le petit chauffe-lingette, ben, tu ça tente. Tu peux aller... Non, en fait, c'est parce qu'on est tombé BS, là. T'as-tu ça, toi? Ben, on a peut-être même une à vendre. Ou à donner, je sais pas, là. On est en train de se débarrasser des affaires, là. Ben, là, à vendre ou à donner, Décide-toi, Mathieu. Je sais pas, c'est pas moi qui avait. Normalement, euh, au numéro 1, numéro 2, on allait au lavabo, on faisait « puis là, ben, ça fait 53 minutes. Ouais. Euh, on allait au lavabo, on mouillait nos lingettes, puis on allait essuyer ça. Puis euh, maintenant, on est tombé paresseux. Fait qu'on s'est acheté un chauffe-lingette, tu mets des lingettes mouillées dedans, puis ça les garde « chaude encore une fois, des guillemets radiophoniques, là, c'est... Ouais. On s'entend que tu fais pas un double dip. Mais c'est cool. Quand tu t'en sers, on change des fesses là, souvent. Là. Exact. À la fin, peut-être c'est moins. Euh, ça dure combien de temps? Parce que quand ils font 1 à 2 caca max par jour. Ben, Mais tu sais, t'es proche. Parlais... T'as tout ton gear dans le fond, exact. t'es proche. Sont... Ouais, je prenais s, que 20 lingettes, j'ai mouillé, je sacrais dans le chauffe serviette puis j'en avais pour 2-3 jours. Ah, je te le prends. Ben... Il, il, je, ma blonde le sait pas là, mais je te le prends. Je les suis fait, C'est pas, euh, pas super complexe. T'es pas des grosses débarbouillettes de la mort qui tuent. là. C'est des petites ouais. débarbouillettes de pour enfants au dollar à mal. là. T'sais, les ah, les ouais. affaires super minces. Puis, euh, ça faisait la job, ouais, Ça ouais. faisait vraiment, vraiment la job. Euh, c'est pas, pas si compliqué. T'sais. On, on a dérapé beaucoup, je pense, pendant cet épisode-là. Ben moi, pas tant pour vrai. Moi, pour vrai, le message que j'aimerais que les gens retiennent, c'est. Prends des couches lavables, prends des couches jetables, euh, c'est ton choix, man. Il n'y a pas de problème. Prends-en pas. Ou prends-en pas. Ou prends -en pas. Effectivement, ça existe. Euh, mais fais juste prendre une décision éclairée puis pas baser sur des préjugés un peu de ah, ça va être compliqué, ça va être dégueulasse, puis ça va être difficile, etc. On s'entend on dans tous les cas, tu vas te toucher à de la merde. C'est sûr, mm -hmm. parce qu'on va avoir euh, dans le pyjama où ça va déborder à gauche, à droite ou je sais pas quoi. Puis c'est pas si compliqué. Sérieusement, on s'en fout. C'est pas. Euh... Lave les... Je veux dire, lave-toi les mains. Là. Ouais. <laughs> la patente va te laver les mains, et c'est tout. Là. Non, ça vaut la peine de l'essayer. Puis de toute façon, un moment donné, ils vont être propres, puis là, ils vont te faire « papa ». Puis là, tu vas arriver dans la salle de bain, après qu'il ait chié, puis il va être plié les mains à terre, puis il va te montrer son anus. Tu n'aurais jamais vu un moon aussi, euh, aussi flagrant que ça. Puis il va faire « essuie-moi ».« oh fuck ». Moi, je, là, trouve ça quasiment, je trouve ça quasiment plus dégueulasse. Ça, ça. oui. Puis le... la... les cacas dans les petite culotte ça m'écœure particulièrement. Ouais, ouais, ça, c'est pas cool. Mais ça, ça pourrait faire un autre thème là-dessus. Ouais, parce que là, quand il l'échappe, c'est pas cool. Là. Ah non, c'est pas cool, vraiment ouais. pas. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai vraiment envie de pisser, c'est peut-être parce qu'on n'arrête pas de parler de pisse Moi tout depuis de tantôt, mais je pense que je vais courir à la salle de bain, fait que, je vais exploser. Merci. Très bonne bière. On, on va, va closer ça. Très durétique. Euh, <laughs> on, on va closer ça maintenant. Si vous avez des questions sur euh, couches lavables et ou l'hygiène naturelle enfant, infantile, je pense que c'est ça l'acronyme. Je euh, n'y vous pas. Je pense que j'en connais quand même pas pire là-dessus. Puis euh, écrivez-nous, donc, euh, notre courriel imperturbabatgmail.com euh, ou sur notre Facebook. Sur Imperturbable. Puis sur Twitter et Twitter, etc. Ouais, puis si, si vous me demandez c'est combien de couches notre sorte, on répète-tu nos sortes Moi, c'est Omikey ou Bum Genius. Pas moi, c'est Bébé Deluxe, puis ils étaient à 10, ils sont rendus à 15 pièces Oh, ils sont couche. vraiment pas si chers, bravo. Puis ils sont belles. Fait Nous, que... il est aux alentours de 20, 25. C'est okay. Fait que mettons qu'ils sont entre 15 et 25 Ou 15 et 30 là, Si vous lâchez l'os, mais bon. vous. Il y quelque chose de pas. Puis, si tu une petite barrière psychologique là, par rapport au ben fais comme un fumeur man, qui arrête de fumer. Dis-toi que tout le cash que tu vas sauver, ben, tu pourrais te le remettre, te le rendre à toi-même. Fais-toi des vacances Faites à tous les voilà. ça, Tu vas être heureux. Fait que sur ce, on se reparle la semaine prochaine. Salut, mes petits cocos. Et puis, n'hésitez hésitez pas à vous abonner à toutes les formes d'endroits où vous pouvez le faire. Sur ce, passez une bonne semaine.